Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juillet, ça commence bien avec le soleil en cancer pour le deuxième et le troisième décan. Il y a un sentiment certainement de liberté, peut-être parce que vous allez partir en vacances ou alors parce que vous aurez moins de boulot que d'habitude. En tout cas, si vous voulez, vous prendrez de la distance, vous serez moins préoccupé par les détails, moins préoccupé par tout ce qui vous a préoccupé pendant le courant de l'année. En tout cas, c'est vraiment le moment de vous détendre, que vous soyez en vacances ou non. Prenez du temps pour vous, faites des pauses, faites-vous plaisir. Et puis, bon, peut-être aussi que vous pouvez renouer les liens avec quelqu'un de la famille qui habite loin, peut-être même à l'étranger, et cette personne revient et vous allez pouvoir en profiter hein, jusqu'au 22. Bon, ça durera ce que ça durera, mais hein, ce sera agréable à vivre. Après le 22, le soleil entre en Lion. Et pour vous, Scorpion, du premier décan, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que le soleil va s'opposer à Pluton. Donc, il est dans votre secteur de carrière. Peut-être qu'on vous barre la route pour progresser, qu'on vous prive de quelque chose. En tout cas, ça n'est pas une situation définitive hein, avec Pluton. Vous savez qu'on peut transformer les choses, que vous pouvez avoir des armes hein, pour vous battre. Donc, ne soyez pas celui qui subit. Hein, essayez de transformer les choses pour justement ne plus subir. Du côté des activités, c'est un petit peu compliqué pour le deuxième et le troisième décan jusqu'au 20. Mars va occuper le taureau, il va se trouver en opposition avec vous et en même temps conjoint à Uranus. Donc forcément, il y a une sorte de rupture, il y a une sorte de de remise en question. Alors, avec un partenaire professionnel ou personnel, ça j'ai du mal, ça n'est pas quelque chose que je peux vous préciser sans votre thème personnel, mais en tout cas il y aura de fortes tensions si jamais il n'y a pas rupture, si jamais vous ne changez pas d'avis sur quelqu'un, voyez, si vous ne rejetez pas un lien. En tout cas, il y aura des tensions hein, et il faudra que vous essayiez de les apaiser et en ne jetant pas d'huile sur le feu, ce que le Scorpion aime bien faire tout de même, parce que il aime les crises et trouver le moyen de les résoudre. Après le 20, eh bien Mars va rentrer en Gémeaux, c'est votre secteur 8, elle fera de bons aspects, la planète. Donc, je me demande si justement vous n'allez pas trouver, premier décan dans un premier temps, le moyen de résoudre la crise dont je viens de vous parler. En tout cas, une idée vous viendra, une idée d'action à entreprendre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez l'entreprendre tout de suite. Parce que, bon, en bon Scorpion, vous avez quand même besoin de préparer une stratégie. Vous ne pouvez pas faire les choses comme ça, de but en blanc, hein. Mettez une stratégie au point. C'est ce que vous conseille ce Mars. Du côté des amours, eh bien, Vénus est très bien placée aussi, elle est en cancer, mais seulement jusqu'au 11. Donc là aussi, disons que vos sentiments s'épanouissent, que vous êtes un peu plus expansif que d'habitude, parce que on sait, hein, le Scorpion, il a un côté un petit peu réservé, mystérieux, c'est ce qui fait votre charme d'ailleurs. Mais là, ce qui fera votre charme, ça n'est pas de rester sur la réserve, mais c'est plutôt hein, de montrer ce que vous ressentez. Ce sera l'affaire de 2-3 jours, hein. Vénus est très rapide. Malheureusement, on préférerait, hein, en
tant que scorpion qu'elle reste en cancer. Mais elle va en sortir autour du 11 et pour entrer en lion et elle se mettra immédiatement en opposition à Pluton. Ça ne va pas durer, hein, c'est la même chose, mais bon, on est toujours sur ce... quand même ce versant de crise que Pluton provoque. Et c'est peut-être quelque chose du passé qui se répète, puisque Pluton occupe votre secteur 4. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire tenir une relation, à la faire durer, à cause de l'un de vos comportements. Jusqu'à présent, vous pensiez que vous avez fait des mauvais choix. Bon, c'est possible. Mais il y a aussi le fait que certains de vos comportements peuvent rebuter un partenaire, par exemple votre jalousie, par exemple votre possessivité. Hein. Donc c'est quelque chose sur quoi vous devez travailler si ça se répète. De bonnes journées, hein, le 5, le 11, le 20 et le 24. Bon, tout d'abord pour profiter, hein, parce que pendant la période cancer, il faut profiter des bonnes choses. Et ensuite, bon, pour essayer de résoudre, peut-être avec l'aide de quelqu'un, de résoudre momentanément, en tout cas, la crise que rencontre le premier décan. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous likez. Et puis, si vous voulez plus d'astrologie, bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, dans les lives du mardi et du vendredi, ou alors, évidemment, sur celastro.com. Mais n'oubliez pas non plus 12, hein, l'application de rencontre grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons, Zoé et moi. Nous vous souhaitons un très bon mois de juillet.